Salut les amis, c'est mon petit game et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur du Minecraft. Et aujourd'hui les gars, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de survie parce que j'avais pas vraiment envie voilà, de faire la survie, mais voilà, maintenant je reprends, y'a pas de souci les gars. Alors aujourd'hui les gars, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va terminer un peu notre tour parce qu'elle n'est pas du tout terminée. Si vous savez bien, dans mes calculs mathématiques de physicien, bon, j'arrête de m'appeler. J'ai fait en gros 4 étages, donc 1, 2, 3, 4. Donc on a fait la dernière fois le truc d'agriculture, donc on va aller ramasser après, après la petite culture. Donc pour l'instant les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup faire un petit escalier, ce qui donne à la... alors attendez, j'ai mon lit... Oh, mince. Donc du coup les gars, on va oh mince. Attends, les gars, je vais le déplacer. Voilà, et les gars, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup un nouvel escalier, ce qui va nous donner à un petit comment dire, à une chambre en fait, voilà, qui va nous servir beaucoup. Donc on va prendre du coup des petits escaliers. 26, je pense que ça sera bon. Parce que moi j'en ai un peu marre les gars de dormir. Voilà. J'ai mis combien? Il faudra faire un truc de 3. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ok, parfait les gars. Après les gars, vous inquiétez pas, on va bien tout décorer. Là voilà les gars, c'est juste le début. Vous allez dire oula, mais ça va vite en fait la survie. Moi je pensais que ça allait être plus long. Non, vous inquiétez pas les gars, il y a plein de trucs qu'on doit faire. Alors ça là-bas. Alors pourquoi les gars j'ai pas fait beaucoup de survie, c'est parce que j'ai un petit peu pas vraiment de motivation de faire des vidéos. C'est pas tout pour voilà me plaindre, mais j'avais pas vraiment beaucoup de motivation. Donc c'est pour ça que les gars j'ai décidé de faire un peu une petite pause entre autres. Mais vous inquiétez pas les gars, là je vais faire une belle chambre les gars. Très luxueuse, vous allez voir. Vous allez me dire t'es un génie mec. En fait, ça sera pas vraiment à toi comme d'habitude, vous allez voir. Ok, déjà, par contre, on arrive bien. Donc, on a tout ça, les gars, pour faire une chambre. Donc, en gros, on va faire une petite salle pour notre bureau, etc. Vous allez voir. En fait, en haut, ça va être un peu comme un petit paradis, en fait. Vous allez voir. Donc là, déjà, on arrive bien sur le truc. Oula. Et on va faire un toit, en fait, très spécial. Déjà, en fait, je vais enlever les murs, les gars, juste là. Ok, donc les gars, du coup c'est terminé. Alors donc du coup j'ai enlevé tous les murs les gars. En gros les gars, ce que je voudrais faire en fait comme type de chambre entre autres, ça serait le truc là-bas comme ça les gars. Alors je vais vous mettre une photo les gars. Donc voilà les gars, un petit toit un peu solo en fait, avec une petite voilà, ça fait un peu une carapace. Donc ça fait un bon truc quoi. Et en fait les gars, voilà, ça serait du genre comme ça que je voudrais. Mais donc du coup les gars, je pense quoi, partir pour commencer. Donc déjà je vais mettre des barrières tout autour. Je vais mettre un petit bug qui s'est passé. Vous avez vu le passage en mode hors ligne. Je suis désolé, mais du coup les gars, je vais vous mettre une petite avance rapide. Donc je vais mettre des petites barrières et puis les gars, c'est parti. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything.
fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bon les gars, je vous présente ce que je voulais faire. Alors vous allez voir qu'au début, c'est pas très stylé, mais vous allez voir, les gars, comment j'ai fait de façon... En fait les gars, là vous voyez, alors, c'est un petit peu sombre, je vais essayer de vous éclairer les gars au montage. Mais je pense pas que je vais réussir, mais en fait les gars, regardez. Ce qu'on va faire les gars, c'est que ici, en fait là, aux délimitations, on va mettre des petites vitres. Et en fait les gars, on va mettre notre chambre juste en haut. Et ici en fait les gars, on va mettre de la déco, des petits canapés en regardant le coucher du soleil, etc, etc les gars, vous voyez. Donc je vous propose les gars que je fasse encore une petite coupure, parce que ça va me prendre énormément de temps les gars. Donc c'est pour ça que les gars, je fais des coupures, parce que sinon ça va faire une trop longue vidéo. Mais regardez ce que je vais faire, en tout cas ça va être super stylé. C'est parti les gars. Ok, bon bah les gars, du coup j'ai terminé le petit truc. Donc alors déjà les gars, franchement on a une magnifique vue. Bon après en bas les gars, je ferai des petits canapes, etc. Faut que je mette de la lumière ici. Alors j'ai fait voilà, de façon qu'en fait voilà, avouez les gars, c'est chaleureux pour dormir, etc. Tu te lèves, hop, tu descends. Bon par contre, juste pour redescendre les gars, je pense que je ferai un truc un petit peu caché en fait. Ici par exemple, je mettrai de l'eau comme ça pour descendre, parce que sinon ça va me prendre 5 heures les gars à descendre. Donc les gars, on va s'arrêter là pour ce cinquième épisode les gars, je crois. Prochain épisode les gars, gros épisode, parce qu'on va faire du coup toute la déco de la chambre. Je vais faire des petites finitions. Alors les gars, c'est pas du tout terminé hein. Ne vous inquiétez pas les gars, c'est pas du tout terminé les gars. Mais en fait les gars, je vais vous faire une petite photo de vue d'ensemble. Donc les gars, ça va donner ça. Donc les gars, comme je vous ai dit, donc voilà, ça c'est stylé. Mais vous inquiétez pas, ça peut être terminé. Donc là, voilà, je vais mettre de l'eau. On va terminer du coup, les gars, pour... bah, on va terminer sur la petite agriculture. Comme je vous ai dit, les gars, chaque fin d'épisode, hop, agriculture, les gars. Donc voilà, comme ça, ça va occuper. Et je vais pouvoir vous dire quelque chose de très important. C'est que, les gars, cette survie, je pense que ça va être la plus grosse survie de... toute la chaîne YouTube, parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'idées. En plus je crois qu'il y a une grotte pas loin qui a l'air d'être immense les gars. J'y suis pas encore du tout y allé, mais j'ai vu que même au départ, juste à l'entrée, il y a déjà du fer. Donc ça a l'air d'être vraiment bien 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 rempli. À mon avis les gars, je pense qu'elle va être vraiment super bien cette survie. Donc c'est pour ça que les gars, j'ai fait une petite pause pour me préparer vraiment à plein d'épisodes. Sachez que les gars, dès que vous allez voir cette vidéo, il sera peut-être mercredi dans la nuit ou jeudi. À moins que vous regardez cette vidéo. 3... Ok, donc du coup, voilà les gars, donc je vais tout ramasser. Hop, 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 hop. Ok, nickel. Donc les gars, du coup, on va les transformer tout ça en petit pain. D'abord, les gars, du coup, on va replanter. Bon, il y a des endroits, les gars, vous inquiétez pas. Donc les gars, vraiment c'était pour vous dire que voilà, vraiment la survie, je pense que les gars ça va être vraiment ouf. C'est pas comme la dernière survie. Alors on avait fait un truc de ouf, on a fait une muraille, etc. Je ferais pareil dans cette survie, faire une grosse muraille pour qu'il y ait vraiment aucun mob. Je serais pareil, mais je serais beaucoup différent, parce que ça va être pas du tout la meilleure maison. J'ai vraiment beaucoup beaucoup d'idées. Par exemple les gars, on va faire un truc des rails, en fait un petit train les gars. Avec les minecarts les gars, qui va amener jusqu'à une mine. Vous allez voir, on va pouvoir faire un truc avec de la forêt. Vraiment les gars, vous allez voir, ça va être vraiment incroyable. Et c'est pour ça que les gars, ça mérite franchement un petit abonnement les gars. Ce petit discours digne des plus grands. Et puis moi les gars, bah, je vais vous le laisser. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas le petit like, ça me ferait hyper plaisir. Et puis moi les gars, je vous dis ciao ciao. Bye. Petite graine.